et Igor le vodka de Russie. Vous vous abonnez ou Igor pas content. Mais bon, reprenons notre sérieux et comment c'est quoi cet intro qui veut rien dire? Je suis en compagnie de Laetitia. Et c'est quoi cet intro? C'est quoi cet intro en forme de russe? Excusez-moi. Igor doit partir. Igor doit sortir de maison. Bon, continuons. Daylight, continuons. L'histoire des ténèbres. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Charger ces données sauvegardées. Chargement en cours. Et avec tout ça, on est déjà à 1 minute 4 de vidéo. C'est pas juste, hein? Je couperai ça sûrement au montage, donc coupe! Si je l'ai pas fait, je suis un boulet. Je suis en train de péter un câble. Non, arrête tes couilles. Si je me suis pas gouré. Relisez. What the fuck is that? J'aime pas cet endroit. On sait courir? On savait courir? Oui, on savait. Non, on savait pas courir. Maintenant, je l'ai découvert. Bon! Essayons de lire un peu mieux que la dernière fois, vu que je suis un peu plus près de mon écran. Le prisonnier 85 est sous ma garde directe depuis une semaine. Son tempérament simple. Mais putain, c'est quoi cette écriture? Je sais pas écrire, mais eux, ils savent encore moins! Oui! Semble stable. Merde. Non. J'ai fait tomber mon manette. Quel con. Bah t'as lu un morceau quoi. C'est pas grave. Le service d'entretien a terminé les modifications que vous avez demandé pour votre bureau aussi conformément à votre requête. Je me suis assuré que tous ne travaille que sur ce petit sur de petites parties du projet global. Votre nouveau bureau devrait être maintenant parfaitement opérationnel. Et Yudi Igor ne pas aimer Yudi américain. Je suis vraiment en train de dire que les Russes n'aiment pas les Américains, c'est pas vrai. Si. Oui, beaucoup n'aiment pas les Américains. Oh, 1940. On va arrêter avec l'histoire, ça n'ira pas. Patient 9F, admis avec des brûlures sur 60% de son corps, greffe de peau, court le patient, refuse le traitement et parle sans arrêt de vision, mais nous allons de l'avant avec l'opération malgré tout. Parfois l'important n'est pas ce que les patients veulent, mais ce qui est le mieux pour eux. Non, on peut ouvrir toutes les portes. Il y en a beaucoup? Il y en a deux. Putain, c'est glauque! Ça a changé tout à l'heure. C'est normal, t'es dans une autre partie du jeu, imbécile. C'est pas gentil ce que t'as dit. Non! Bon! Yudi, il remarque qu'une bonne partie du personnel vous y compris? Vous y compris? Ça se dit pas, hein? Attends. Je remarque qu'une bonne partie du personnel vous y compris. Une virgule. Vous y compris
s'est soudain laissé aller à répandre des rumeurs dont... Je suis pas sûr que ça dit, mais bon, vas-y. Bon, vas-y. Dois-je vous rappeler à quel point vous tous savez... What? Vous tous savez de la chance... Ah bah, vous tous savez, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ils savent pas écrire. Vous tous savez de la chance d'être ici en comparaison à l'extérieur. Ah, j'ai compris. Pullule. Ah ouais, les maladies. Oui, nous avons une certaine quantité de problèmes avec nos pensionnaires. Non. J'ai compris. Vous tous avez. Ah oui. Oh, c'est pas grave. Vous tous avez, ça se dit pas. Non, mais c'est... vous tous. Tout le monde. Ah, vous tous. Ah, mais... vous tous. C'est quoi ce jeu? Et certains de nos patients, les plus excentriques, oui, nous avons dû accessionnellement prendre des mesures drastiques pour certains d'entre eux, mais j'ai besoin de tout le monde derrière moi si nous voulons assurer que la machine reste en marche. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est pas un chanteur. M, le maudit. Non, c'est un chanteur. M, le maudit, c'était dans quoi encore? Je sais pas. C'était dans Arthur et Minoy. Ah, voilà, c'était là-dedans. Mais quoi, ça fait tellement longtemps que je regarde plus ça. Mais c'est cool. Je me souvenais plus, j'hésitais entre Voldemort et... Aucune culpe. Entre guillemets la même gueule. Mais il y en a un qui est plus large, l'autre est plus arrondi. M'en bats les couilles, Rob Gain et go. Des chiottes. Et une note. Dans les chiottes. Bon. Il y a des gens, ils aiment le bien faire ça. Le mec qui s'emmerdait. Patient 13, quel chiffre inquiétant. Les archives disent l'hôpital inquiet. De l'hôpital inquiet. Indique que ce numéro est le plus souvent attribué à des patients pas particulièrement troublés, les patients présents. Les présents. Le présent. Le présent. Ça. Canifé. Hein? Le présent. Canifé. Pas. What? Il y a quand même des quantités dans ce truc. Compte tenu de la nature de sa naissance, je devine de nombreuses institutions, mauvaises discussions, décisions, et pire pour son futur. Parfois, je me demande si les troubles intérieurs. Oh là 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 là! De certaines personnes ne sont pas au-delà de toute l'être humaine. Combien de jeux en français? Beaucoup. 86. Et je suis en deuxième. Secondaire, hein. Ah non, troisième. Bah oui, t'as passé. J'ai 16 ans. Presque. Bah presque. Le mec il parle de n'importe où je suis. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Hein? Ça a l'air d'être quelque chose. Walter Marceur. Nom de merde. Ta gueule. Meurs. What the fuck is that? Je sais pas prendre ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est là? Non. Je sais plus comment on allume les bâtons. Oh shit. Ah oui, c'est ça. Tac, tac, tac. Parce que je me souviens, il fallait les bâtons pour un truc. Ah oui, Y'a rien ici. T'as peur. J'ai vu quelque chose sur le mur. Non? Pour rien faire. Mais c'est quoi cette merde? C'est moi qui est trop con? On sait pas s'abaisser dans le jeu.
Mais toi, embête, hein. Ah ah, non. Je doute sur l'hygiène de ces toilettes. C'est pas vrai, ça. Je me suis fait baiser. Ouais, ça doit être dans cette... Ça doit être dans cette pièce, pas possible. Trop grande. Hmm. Étonnant. Fuck is that? Nig! Et pour Nig! Pardon. Non! Je suis caché. C'était caché. Bon, ça pue ici. Ça pue même vachement la merde. Sauvegarde en cours. C'est jamais bon signe ça. Au plus qu'on passe des endroits. Ta gueule, je sais qu'il y a quelqu'un. Ou il y a un truc comme ça. Okay. Ah, rouge. C'est pour chasser les ombres. Imbécile. Quoi? C'est quoi? Putain, ça m'a fait flipper sa mère. Il y a un truc, il a bougé et puis il a fait un blablabla. Et puis elle a gueulé l'autre conne là. Bah, où elle a dit quelque chose. Où elle a fait quelque chose. Oh merde, j'ai pas à me justifier. Pour une fois que j'ai pas crié une grossesse. Il y a un double fond. Il y a un double fond. Ça c'est un passage secret. Je le sais. Yeah, oh, je sais, je connais. C'est comme dans Harry Potter. Yaaaaaah, non. Faut savoir déconner. Pas du... Ah, j'ai gueulé fort. Tous mes muscles se sont contractés. Pénitencier. Note interne. Pénitencier de Middle-Island. Mémo. Note interne, il y a eu... Oh putain, j'arrive plus à lire. Il y a eu un nombre significatif de violences. Oh le cri. Ces derniers temps, entre prisonniers ou à... Ou à notre rencontre de dans le futur, tous les gardes, j'arrive plus, tous les gardes, je tremble à fond, d'effectuer leur ronde à deux ou plus. Les infirmières ne seront pas autorisées à soigner des prisonniers hors de l'infirmerie. Aucune exception. Oh, quel cri! Oh, elle m'a fait flipper, il me fait flipper ce jeu. Oh, le cri. Je pense que j'ai jamais crié aussi fort. Ouais. On va pas le bien le cri de flipper. Encore. Incident report. Ok. Date, 20 octobre 1910. Cap... 2003 refait des gardes de silence durant
l'extinction des feux ce soir, il criait qu'une ombre maléfique viendrait le chercher ou quelque chose du genre. La hurie rendait les autres détenus nerveux. J'ai décidé de le mettre au trou pour un mois. Baxter, Laura, Laura à l'œil durant son séjour là-bas. Little Paul a Is there anybody in there? Il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Tu vas bien. Je me sens vif. C'est la sortie. Elle est ici. Bon, je vais me retourner. Elle était morte. Mais mec, je flippe. Ça craint. Ah, 23 octobre 1910. Capitaine à l'école senior, toujours pas fait. Baxter fait état de problèmes avec l'éclairage dans le quartier d'isolement vacillant. Et c'était par moment, j'ai envoyé une requête pour que le service d'entretien y jette un œil. Même dans ce trou, le prisonnier 203 cause des problèmes. On l'a attrapé hier alors qu'il n'était pas. J'ai envoyé Baxter et quelques les autres gardes de nuit au lui faire une camisole de force. Ah chien. Merde, j'ai passé alors qu'on n'avait pas pu. Y'a rien dedans. C'est vide. Oh, je vais me retourner ça. Merde. On n'est pas allé. Putain, les mecs, je flippe sa mère. C'est ici qu'elle m'a sauté dessus. Date 17 juin 1931. Augustine a cessé de se présenter pour son quart de travail depuis près de 2 semaines. Son superviseur pensait qu'il avait quitté ses fonctions inopinément. Monsieur Augustine ayant déposé auparavant de nombreuses plaintes à propos d'une voix de femme entendue dans les couloirs, finalement un membre du personnel d'entretien nettoyant la rouille des plaques menant aux égouts a noté une odeur étrange en provenance des tunnels. C'est en allant vérifier qu'il a ainsi trouvé le corps mutilé de Monsieur Augustine. Ok. Sympathique. L'image. Il a passé un sale quart d'heure, le mec. Ouais. Putain, les mecs, j'ose à peine avancer. Ça devient de plus en plus grand en plus. Je suis pas déjà venu, ça. Non. Allez, on me pop à la gueule. Prends-le. Putain, on va pas prendre
Merlin. I know there's somebody here. Arrête d'attirer l'attention sur toi, connard. C'est vide. Il y a un recyclage. Hein. Ils font les mêmes salles partout. Ça me fait chier de jouer. Si elle apparaît, je vais pas gérer. Je m'en fous, ta gueule. Bâton lumineux, mais non, il faut du rouge. C'est la seule fois que j'irai ça dans ma vie. Allez. Putain, trouve quelque chose. Hello. Enfin, Merlin. Je l'insulte de tous les noms. Aïe, 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 aïe. Les mouches arrêtent de me casser les couilles. En plus, on est dans une température caniculaire. Bande de bâtards. Ça a l'air plus lumineux là. C'est quoi? Une note. Date 17 juin 1931. Toujours le même. Sa peau et sa langue étaient recouverts de coups. Tu peux lire parce que j'y arrive plus. De coupures en forme de labyrinthe. Et. Un de ses yeux manquait. Il n'est pas certain si ses blessures sont l'œuvre d'un tiers ou de lui-même. Lorsque nous avons réclamé une inspection des tunnels, le docteur Mercer est intervenu, prenant l'affaire en main et commandant une petite équipe de gardes de confiance. I'm sorry. Par respect pour sa famille, nous avons déclaré l'affaire un meurtre. Le corps doit normalement être incinéré et ses cendres envoyées à sa famille hors de l'île. Ok. Oh putain, je flippe ma mère. Je dois aller. J'ai pas toujours l'air flippé à oh putain. Non, c'est des petits espaces, ça va jouer sur les petits espaces. Et ça, je supporte pas. Allez, bâton lumineux. Ah yes. Deux. Oh putain, toi tu t'entends beaucoup. Trois. Et oh putain, on m'en a donné trois, c'est que ça va craindre. Je suis sûr que ça va craindre. Ah, j'ai failli crier. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le saut, le truc que tu dois prendre et ce gros truc rond, tu vois. Ah ouais, ok, cool. Tentative d'évasion en compagnie d'un autre détenu. Les gardes ont intercepté et abattu la paire. Le prisonnier 48 est actuellement dans un état stable. L'autre est mort sur le coup de docteur Mercer. Doit tenter un traitement expérimental sur les blessures du passé. C'est pas trop tôt qu'on voit ton putain de machin. Je sais pas où tu l'as vu. Oh merde. Je vais refaire un tour. Bon, on allume le rouge. Faut allumer le rouge. C'est glauque cette partie-là. Such brutality, corruption and chaos. On peut pas en prendre. Attends. Ok, on coupe.
c'est raté. Je sais pas où je vais aller. Cours. Je crois que c'est là que je... Go. Continue tout droit, continue. Cours. Oui. Anybody there? Je mets en pause parce que je sais. Ouais, elle est là, je sais. Descendre. Non. En cours. Une chance qu'on peut courir, Oh mais t'y es presque. Si. On doit tourner quelque part. Merde, on peut pas y aller. J'ai eu le réflexe. Non, c'est de l'autre côté. Ouais. Oh merde. Bon, on va lire la note et on va se comme ça sauvegarde. Voilà, on va lire la note dans cette vidéo et puis on va couper, on va direct tourner une autre parce qu'on est des sadomaso. J'ai bien flippé sur celle-là, je pense que c'est la première où je flippe autant. On a déjà bien flippé, mais ça devient vraiment hardcore. Bon. Bien que les méthodes du docteur soient quelque peu non conventionnelles, je ne peux pas me plaindre des résultats. Non seulement nous aidons la science à progresser tout en sauvant des vies, mais nous avons même pas tiré quelqu'un. Ouais, vas-y, continue. De la part de ces ordures, les choses admises par ces gens me dégoûtent et dire que j'ai osé douter de Dieu. Voilà. Merci. Bon, on allume déjà le bâton vert. Et je vous dis salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé l'intro de Igor, eh ben mettez-le dans les commentaires si vous avez aimé. Et pouce-vérisez cette vidéo, publiez-la sur Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Mais du moment que vous le faites, vous n'êtes pas obligé. Vous faites tout ce tralala si vous avez envie.